Salut tout le monde, c'est Larkboy, on se retrouve avec The Bird, donc qui est un pote à moi pour Event sur Erisium. Donc vu qu'il est, je crois que, attends, c'est Legend, il me semble, il est pas, il est, je suis en vocal avec lui mais il peut pas parler. Donc il est Elite, voilà, il a pas de micro en gros je crois. Il est Elite, et du coup il peut en fait, contrairement à moi, lancer tous les events gratuitement. Alors que moi je dois payer. Et du coup, bah, c'est plutôt cool. Donc, il m'a permis de me hopper dessus. Comme ça, je vais pouvoir modifier les trucs. Donc là, il l'a chargé. Et ce que je lui ai demandé, c'est une config de UHC. Enfin, c'est un one shot, en fait. Et du coup, hop, le one shot qui est juste là avec inventaire de départ. Ok. Donc, t'as mis de la laine et tout. Je vais voir si je modifie les trucs. La flèche, ok. Y a pas un truc à mettre peut-être dès que les mecs vont mourir. Il manque la bouffe. T'as oublié la bouffe? T'as oublié la bouffe? Non, elle est où la bouffe? Ah, y a no food. Ah putain, mais t'es un génie en fait. C'est un génie ce mec, il a tous les scénarios en plus. Non, attends, faire les scénarios. Scénario. Ah merde, je suis pas l'hôte principal, je peux pas y avoir accès. Mais ouais, putain. Ok, alors là on a la gestion durée avant PVP. Ah, ok, slash scénar. Ouais, pour les voir du coup, en tant que joueur. No food. Ah, ok, ouais. Time bomb. Cat eyes, ouais, donc ça je l'ai gratuitement aussi. Beau swap, vous avez une chance d'intervenir. Oh, ça c'est bien. Allez, mec. Mais par contre, à la place de beau swap, tu peux mettre... Je sais pas. Ah, attends, en gros, attends, le... Ouais, non, ouais, 100%, on laisse 100%. Non, non, t'inquiète, on laisse 100%. Ensuite, paramètres classiques, on a gestion du temps, jour éternel. Donc moi, vu qu'en plus on a Night Vision, j'aurais mis pas jour éternel, mais ni nuit éternelle, mais peut-être les deux, en fait, normal. Ou alors nuit éternelle, juste pour le kiff, parce que ça a l'air beau. Voilà, c'est tout. Ensuite... On a dur avant PVP, donc 1 minute. La bordure, moi je l'aurais mis 3-4 minutes. J'avais testé hier 4-5 minutes. Bon, il y avait personne, vu que c'était pas le bon jour pour tester. Mais 3 minutes, voilà, ça va. Donc bloc par seconde 2. Je crois que c'est pas trop rapide. Sur Epic Cube, je mettais aussi à 2 de base. C'est pas trop rapide. 3 par contre, ça commence à être rapide. Donc là, il n'y a pas besoin. Donc border initiale 1000 par rapport au nombre de joueurs, ça va. État border finale 50. Ok. Inventaire de mort, du coup, il y a juste une pomme dorée. Il n'y a pas moyen de rajouter un truc. Je sais pas ce qu'on pourrait rajouter en vrai. En vrai, il n'y a pas grand-chose qui pourrait être utile dans ce mode de jeu à rajouter. Ouais, bon, je vais rien rajouter, on va faire un truc comme ça. C'est déjà bien compris ce que tu nous as fait. Nommer le serveur Event by Darkbow. Ok. Tu peux mettre One Shot by Darkbow ou pas? Enfin, est-ce qu'on peut... je sais pas s'il y a la place pour la taille. Attends, je vais essayer. Je sais pas, One Shot. Je sais pas s'il y a la place. Et ouais, on peut. Parce que sinon, ça va pas tout afficher. Déjà fait. Ah oui, bah je viens de le mettre aussi. Donc bah voilà, on va hop, accès au serveur ouvert et je l'envoie en prix gratuit. Ah non, je peux pas. Ok, vas-y. Merci. Donc voilà, on va pouvoir démarrer l'event bientôt. Bon bah du coup voilà, on démarre le host one shot. Bon, en vrai, je crois qu'il y a personne quasiment que je connais, mais c'est pas grave. Il y a des gens de Erisium. On est 30. Putain, je croyais qu'on était 25 dès qu'on avait lancé. Je croyais qu'on était 25. Bon. Alors, cross team interdit tout. Donc, bon, en gros, toutes les règles sont désactivées. Il n'y a pas de tower. Ah, salut. Il n'y a pas de tower et tout. On peut se PVP dans 1 minute. Pourquoi on est juste à côté, en fait? J'ai envie de te taper, toi. Putain, je suis juste à côté. Je me casse. Voilà, je m'éloigne. Putain. Bon. Si on s'éloigne... Ok. Ah ouais, merde, on peut prendre des dégâts de chute quand même, c'est vrai. Ah, aïe! Non? Ah non, il y a juste les arcs. Ah, cool. Mais ouais, non, ça marche pas là. Je sais que c'est toi qui m'as envoyé une flèche là.
Il faut que je fasse gaffe parce que j'ai l'auto-jump. Voilà. Sans auto-jump, c'est mieux. Yennefall, ouais. Cool, c'est cool, merci. En fait, t'es un génie, putain. Ah, bah attends. J'ai envie de me faire tuer là. Il faut surtout pas que tu me tues par derrière, toi. Parce que là, je me suis éloigné de toi. Je me sentais mal, rester à côté de toi, j'aurais voulu te tuer, tu m'aurais tué. Parce que je suis trop nul. Alors, ou quoique, peut-être pas, j'en sais rien. Mais on sait jamais. Bon, alors, où sont les autres? Ça, c'est le grand mystère. Hop, on va s'éloigner, on va par là. Allez. Hop, et d'ailleurs, au fait, par rapport au son du jeu sur Minecraft, dans les vidéos Minecraft, en général, je me posais une question, du coup je mets un sondage. Est-ce que vous trouvez que le son est trop fort ou pas? Ou n'est pas assez fort ou est correct? Voilà. Du coup je mets le sondage là. C'est pour savoir. Par contre, ne prenez pas comme référence le mini-jeu Skyblock Lucky Wars que j'ai pu faire. Parce que là, forcément, il y avait beaucoup d'activités. Du coup, c'était vraiment hyper fort. Bon, alors là, on va faire gaffe quand même aux autres. Du coup, c'était hyper fort, donc ça représente pas du tout le reste. Par contre, je sais pas où est-ce que... Ah oui, ok, nickel. Merde. Voilà, faut aller vers middle. Oh, ils peuvent nous attaquer, les mobs. Allez. Hop. Merde, je vois pas assez loin, du coup. Vidéo settings. Under distance. Je mets à 10. Voilà. Parce que sinon, je vois pas du tout assez loin. Voilà, à 10, ça devrait être mieux. Alors, pour le moment, il y a personne. Oh, il y a un mec qui est passé par là, Yenlen. Yenlen, donc il y a un mec qui est passé par là. Il y a plusieurs laines même. C'est quoi ce qui m'attaque là derrière? C'est... Oh, un squelette. Ok. Hop. Vas-y, on se rapproche. Tranquillement. En vrai, faut essayer d'être discret, j'essaie de pas trop parler. Mais c'est tellement une technique qui sert à rien, vu que de toute façon ils entendent pas. On n'est pas avec Mumble là. Donc ça sert à rien du tout. Mais bon, je sais pas quoi dire après non plus en plus. Donc voilà. C'est un long silence que vous avez sinon. Aïe. Ah non, il n'y a pas de dégâts de chute. Putain. J'ai les mêmes réflexes que quand il y a des dégâts de chute, quoi. Alors, on est proche du middle. Hop, le middle par là. On va s'entraîner avec ce creeper. Ah oui, on se fait téléporter même avec les entités. Oh mais c'est trop bien ce scénario. T'es un génie, mec. The Bird, t'es un génie. T'es un génie parce que c'est trop bien. Parce que du coup, on peut faire des techniques. S'il y a des mobs juste à côté des gens, on peut se téléporter comme ça et faire des putains de gameplay. Donc là, oh merde. Il y a un creeper déjà et puis là, je suis pas du tout bien caché. On est plus que 6. Je suis pas du tout bien caché. On est plus que 5. Putain. Pas du tout caché. Il y a aucun moyen de régène en plus. Parce que là, je suis mid-life. Je suis mid-life. Vous avez rien perdu. Moi, j'ai rencontré des mobs un peu partout. Et vu qu'en plus, si on les attaque avec l'arc, on change de place avec eux, c'est un peu chiant parce qu'on peut retourner en arrière à chaque fois. Putain, t'as déjà tué. Attends, t'as tué combien de mecs? Je sais pas. Où est-ce que tu peux être? Laisse-moi te tirer une flèche. Ah, t'es mort. Tu es mort. Par contre, ouais. J'ai rencontré personne. Le seul mec que je rencontre, c'est le mec qui fait tous les kills de la partie. Non, en vrai, non. Il a pas fait tous les kills, je crois. Mais, seul mec que je rencontre. Faut que je fasse gaffe. Hop. Non. J'ai envie de changer de place avec ce zombie. Ah putain, je vais pas y arriver. Nickel. Voilà, c'est pour faire une petite technique. Parce que je suis sûr il l'a pas prévu cette technique-là. Il l'a pas prévu. Hop. Non, 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 non. J'aime pas. Non, les creepers. Putain. Je suis à 3. Non, je suis plus qu'à un cœur. Je vais mourir à cause des mobs.
Mec, donne des pommes. Je suis un cœur. Putain. T'es pas sérieux. C'est pas sérieux cette nuit. Putain. Faut faire gaffe partout, même les araignées nous attaquent parce que c'est la nuit. Ça, c'est à cause de moi, mais. Mais bon. Elles nous attaquent parce que c'est la nuit. Mais il faut vraiment que tu donnes des pommes. Putain, je tourne en rond pour les éviter. Et là, il y a un creeper, je dois l'éviter aussi. Oh! Tu m'as régène, merci. Putain, oh! Comment ça se fait que t'as réussi à me heal en fait? Parce qu'on peut en host, on peut juste. Oh, je suis mort. On peut juste donner des stuff. Ah, il y a cette commande aussi. C'est vrai. GG. Putain. Vas-y, on refait le même. Mais cette fois-ci, on met toutes les pommes là pour Eden. Et puis à la limite, on met 2 jours aussi. Parce que du coup, de nuit, c'est pas une bonne idée. Il y a tous les monstres qui nous attaquent. Genre, il y a même les araignées. Bon, du coup, on va faire une deuxième, s'il vous plaît. J'ai envie de montrer que je suis fort, en fait. Tu vois, mais bon, c'est un peu galère quand même. Pas tellement d'occasions, je fais des bonnes actions. Donc voilà, bon, là, je vais juste rajouter les pommes dorées, du coup. Parce que on voit que c'est très très utile. C'est parti! Donc voilà. Hop, préparation du terrain pour le largage. Je mute sur Discord. Voilà, donc c'est parti. Comme ça, il m'entend pas en fait. C'est juste pour ça. Parce que sinon, il va savoir où je suis. Donc, hop. On continue. On va par là. Merde, qu'est-ce que je fous? Il faut essayer d'aller. Évidemment. Ah, coucou! On est à côté à chaque fois. C'est abusé. Attends. Si. Est-ce qu'on a le droit de suivre les mecs comme ça dans le PvP? Je crois que non. Donc ouais, bon, je vais pas le suivre. Je crois que c'est interdit, donc donc voilà, c'est pas grave, on va s'en aller. Ça m'aurait fait un petit kill gratuit. Mais déjà, il faut savoir si on va bien en haut. Voilà, le milieu, c'est par là. Ok. Mais du coup, il va peut-être me suivre. Parce qu'il vient de là-bas. Le milieu est juste derrière lui. Par rapport à l'endroit où il allait. Donc il va me suivre logiquement. Putain, bon, faut faire gaffe. Faut vraiment faire gaffe. En vrai, le truc de one shot, faut le faire peut-être plus petit l'arène. Parce que du coup, on croise peu de mecs au début déjà. Putain. J'essaie d'être vigilant un peu partout. Et du coup, il n'y a aucun mob là pour essayer de se téléporter. Oh si, il y a les animaux. Ouais, mais du coup, c'est mieux que les mobs. Donc en vrai, on pourrait essayer de mettre la nuit et voir s'il y a moyen juste de nous mettre genre Golden Apple. Parce que du coup, on pourrait faire des trucs plutôt cool comme tout à l'heure où on se téléporte au mob. Regardez là. Merde. Hop, comme ça. Voilà, tac. Je me suis téléporté à un mob. Et genre comme ça, on peut vraiment tout bypass. Enfin, tout bypass, on peut vraiment s'amuser à faire un bon gameplay. À se balader de mob en mob pour éviter de se faire shoot. Par exemple, voilà, comme ça. Comme ça. Voilà, nickel. Oh putain, je l'ai pas tué. Du coup, il s'est fait téléporter dans l'eau. Bon, ok. Y a pas un mob là-bas dans le coin. On peut se téléporter à des poulpes et tout. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool parce que je crois que sur Epic Cube, c'était juste avec les joueurs que ça faisait ça. Mais là, si ça le fait avec tous les mobs, ça c'est génial. C'est génial. Hop, nickel. Voilà. Oh putain, le petit lapin, le mec qui vise le petit lapin. Genre, il se fait pas cramer vu qu'il vise un petit lapin. Alors que les autres, du coup, ils pensent qu'il va viser peut-être un cochon ou des trucs du genre. Il se fait pas trop cramer s'il vise un petit lapin. Ok. Ok, non. Merde, je me suis éloigné vraiment. Je me suis vraiment éloigné. Et oh putain, mais on n'est plus beaucoup, on était 20 au début les gars. J'ai rencontré personne, je rencontre que le dernier mec. Et encore, il m'avait shoot la dernière fois. Bon, ça c'était parce que j'avais pas assez de vie, j'étais concentré sur ma vie en vrai. Mais du coup, il m'avait shoot. Et putain, je me suis fait défoncer. Enfin, je me suis concentré sur les mobs qui m'attaquaient surtout. Vu que du coup ma vie
prenez un petit coup avec un cœur restant, seulement un. Ah, merde, il y a la bordure. Ok. Je suis carrément à la bordure, quoi, en fait. Le mec qui voulait aller au middle, il est à la bordure. C'est pas du tout ce que je voulais. Ok. Nyeh. Oh, merde. J'ai pas réussi. Mais du coup, il faut trouver des mobs. Y a pas un mob, genre, vraiment assez loin que je peux viser pour me téléporter. Pour me téléporter dessus. On est plus que 3. Il me faut un mob pour me téléporter dessus. Vraiment un mob pas proche, assez loin, que je pourrais viser, que je pourrais toucher, pour me téléporter. Et qui serait là-bas. Ça serait l'idéal. Si je fais une flèche à l'aveugle. Ah putain, je pensais que j'allais tuer un joueur à l'aveugle. Je pensais. Imaginez quand même le truc. Le mec, il met une flèche à l'aveugle. Une flèche à l'aveugle comme ça, juste pour le kiff. Et il tombe, il tue le dernier mec. C'est abusé. Ou il tue juste un mec. C'est abusé si j'arrive à faire ça. Et bon, c'est triste, j'ai pas réussi, mais. Putain, ça aurait été mon grand rêve, en fait. Mon grand rêve de youtubeur. Non, mon grand rêve de Minecraftien de faire ça, bordel. Sérieux. De joueur de one shot, quoi. Ouais. Je suis beaucoup trop exposé dès que je suis en haut. Beaucoup trop. Oh, putain, ils sont déjà tués. Les gars! Ah, apparemment, il lui a dit vous êtes où, mais du coup, il a tué le gars. Non, on est pas loin. Faut avouer qu'on n'est pas loin, là, l'un de l'autre. Je suis sûr, il est pas en sneak. En vrai, il est pas en sneak. Donc, où est-ce qu'il peut être? Merde. Il y a le mur. Putain, il y a le mur. Aïe, aïe. Putain, la bordure est vraiment très f... très chiante ici. C'est pire que sur Epicube. Ah, bordel. C'est abusé. Non. Et en plus, ça nous empêche de sauter, limite. Oh. S'en fout. On reste derrière la bordure pour le tuer. Non, putain. Je voulais. Non, c'est abusé. Je voulais le tuer comme ça, derrière la bordure. Parce que du coup, je savais, il allait me. De toute façon, ça s'est vu, il allait me shoot direct. Donc, heureusement que j'ai tenté, mais j'ai pas réussi. Bon, je vais pas excuser non plus que c'était le fait que j'étais en train de prendre des dégâts et que du coup, ma vision bougeait. Non, c'est pas à cause de ça. C'est juste, j'ai pas réussi. Mais, et en plus, il bougeait. Et en plus, je devais avancer pour pas prendre trop de dégâts. Donc, c'est à cause de ça, quoi. Mais sinon, ouais. En gros, bah voilà. Voilà toutes les causes de pourquoi j'ai pas réussi. Mais du coup, j'ai fait deux parties. Je me suis fait les deux parties. Je voudrais bien un jour faire une partie réussie. Donc, si vous voulez d'autres events comme ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Donc, lui, il a le host, je sais pas combien de temps encore. Je sais pas combien de temps il le garde encore, je lui demanderai à la limite. Mais du coup, si vous voulez d'autres parties, n'hésitez pas à mettre un petit like. Donc, aux 5 likes sur cette vidéo, je vais pouvoir lancer une nouvelle. Enfin, lancer de nouveaux events one shot dessus comme ça. Sinon, je vais lancer, de toute façon, je vais lancer du Loup-Garou UHC Mumble. J'ai pu configurer mon Mumble correctement, il fonctionne. Et on a un serveur Mumble. Avec Unity, du coup, je vous mets toutes les infos Mumble en description aussi si vous voulez. Et du coup, voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo à tous vos amis. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Demain, c'est une vidéo, donc normalement, tournoi, je crois. Peut-être ça va changer. Une vidéo tournoi sur Hypixel, vu qu'en ce moment, ils font un tournoi du 15 au 17 mars, un tournoi Skywars. Donc, c'était Darkbo. Tchuss!